Merci beaucoup, cher Silas, mon champion. Allez, partagez. Partagez, s'il vous plaît. Vous êtes 210 déjà. Il doit avoir 200 partages. Donc, Ni Marie Massa Trala Kanoyake. Voilà. J'ai pris ça avec des pincettes. Que ce soit vrai ou faux. Voilà. Que Dieu fasse que ça soit guéri. Parce que c'est presque. Tu es dans la vie à cause de ça. C'est ce qui te fait marcher. C'est aujourd'hui là. Parce que si tu n'as pas ça là, c'est que les autres sont en train de faire là. En train d'enceinter les enfants des gens. En train de mettre enceinte les enfants des gens. Les membres du CNT, certains ministres. Tu sais, Charles White, lui, là, il a sa femme, il a la fille là qu'il a enceinte en Espagne. En Naoudi, ben voilà, notre argent part là-bas. Donc si toi aussi, qui pompais par-ci, par-là, là, si tu perds le truc là, voilà, donc c'est pas bon. Alaman Noyakela, que Dieu fasse que tu récupères ton truc. Voilà. Descends, merci beaucoup à Loubar, merci mon beau. Que Dieu fasse que tu récupères ton truc là, parce que tu n'y allais. Voilà, né mon même cafonien. Voilà, au calon. Voilà. Celui qui me l'a dit, c'est que tu as eu affaire à une de ses cousines. Donc, à Kouma Bebraine, calon, les gens parlent trop en Guinée. Il est mal long. Kouma, voilà, au foigné la Guinée. Fou! Voilà. Tu as eu affaire à une fille, à une petite fille qui travaille au ministère des Mines. Voilà. Donc, au Rufanan Kalon, que tu as suivi une de ses copines, donc, Gole Kake, il a quitté ce pays et puis qu'il a Kobla Kenema. Voilà, elle a fait des révélations qu'à Fomolie, à Kouma Waraouniana, a dit, c'est devenu sur la place publique. Donc, je le dis sincèrement au fond de mon cœur, Allah Noyake, que Dieu fasse que tu récupères ton truc. Parce que c'est avec ça que tu fais tes trucs. Voilà. Ça, c'est Bayo, comment va ça, c'est fini. Bayo Bayo Noyake. Donc, ça, c'est fini. Donc, il y a un autre coin aussi, j'attire l'attention de l'armée. J'ai mis les forces de défense et de sécurité, notre argent. Aujourd'hui, famille, c'est un scandale au CNT, au Conseil national de la transition. Son président qu'on appelle dans sa courma, tout le monde le connaît, l'escroc numéro 1, le manipulateur numéro 2, l'ethno numéro 4, voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce dernier est pris dans un scandale sexuel. Je peux dire comme ça. Parce que si tu enceintes une soi-disant conseillère qui travaille à ton service, dans tes mains, avec toi, c'est scandaleux. Mandez un compte de comment voter. C'est scandaleux. Il n'y a rien de ridicule dedans. Il n'y a rien de moqueur dedans. C'est scandaleux. Dans les conditions normales, si la transition était bien dirigée, si la transition avait une très bonne orientation, si la transition était très bien suivie, il y avait les évaluations, la transition avait un très bon chemin. Aujourd'hui, tu allais être un grand personnage public. Tu allais être quelqu'un aujourd'hui de très suivi, très écouté. Tu allais être aujourd'hui une personne extrêmement aujourd'hui importante pour la conduite de la transition. Mais transition, on ne parle plus de bancal. La transition a échoué. Même les supporters de Doumbouya le disent. Les KDR et autres, les Mandiang, comment ça s'appelle là? Mandiang aujourd'hui, lui, il est fermé. Abou, c'est totalement fermé. Mouyasanda aussi aujourd'hui a des problèmes avec Doumbouya. Parce qu'il paraîtrait, et c'est vrai, j'ai vérifié, voilà, que tout ce qu'on appelle ça, plus de 20 ambassadeurs ou travaillant dans les ambassades ont écrit à Doumbouya par rapport à l'arnaque de Ouyasanda. Donc, il y aura scandale au pays. Tous ces problèmes-là aujourd'hui ne peuvent pas nous donner un lendemain meilleur. Donc, voilà pourquoi les gens disent que la transition a échoué. Même ceux qui vous supportent, ils s'efforcent de dire que ça a réussi. Sinon, Bekalonko, ça a échoué. Donc, voilà aujourd'hui, nous avons quitté dans le cas de Charles White, devant le monde entier, qui a organisé un voyage express sous la protection, pas la protection divine, parce que Alata Fulie Kouiwa Malopaliake, Dieu ne dit pas ça, d'aller faire des bêtises. Dieu ne dit jamais à quelqu'un, il faut aller enceinter l'enfant des gens, ou c'est cela. Mais un homme qui est marié, sa femme est enceinte en état de 8 mois,
de grossesse qui était la femme de Charles White, la femme là ne savait pas qu'il y avait une autre qui était enceinte en Espagne. Ben, Otumbalo. Les deux ont accouché à la fois, je peux dire comme ça à la fois. Il n'y avait que 2-3 semaines entre les deux. Mais elle a préféré partir en Espagne. Ce qui peut être de l'enfant qui est hors mariage, l'enfant qui n'est pas légitime. L'enfant que Dieu le Tout-Puissant là, n'est pas dedans. Voilà. Pour laisser sa femme qui a été épousée légitimement. Dunia Bekaoui. Gokera scandale dit. Tout le monde. Sa famille, il a fallu que les gens soient utilisés pour calmer la famille de son épouse. Son épouse qui a été épousée à partir de 10 mois de cola. Bekaoulon. Je reviens maintenant sur, comment on appelle ça, sur ce qui s'est passé au CNT. Aujourd'hui, et qu'à l'oncle au CNT, ça ne va pas du tout. Au CNT, aujourd'hui, on ne parle que de ça. Mais aujourd'hui, on demande à ces individus qui pensent qu'ils sont députés, parce que Kouka Falba, honorable. Aujourd'hui, on demande aux gens de se calmer. On prie les gens de se calmer, de ne pas Akuma Kanapo. D'abord, concernant le père de la fille. Deuxièmement, la maman de la fille qui travaille au ministère des Mines, tout le monde sait. C'est Abel, Abrakila Abel dit, parce que vous avez fait un arrangement. Je ne parle pas de ce côté-là. Ça, c'est ton intimité. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent qui est sorti pour calmer le jeu. C'est ce qui m'intéresse. Voilà l'objet de mon direct. L'argent qui est sorti pour calmer le jeu. L'argent qui est sorti pour calmer les choses. C'est ça le problème de Benito. Moi, je m'en fous des trucs de Calaisson, ça ne m'intéresse pas. Pardon, partagez, mettez les clés. Comment vas-tu? Partagez. Ça ne m'intéresse pas. Les trucs dans l'air là, des deux pieds en l'air là, non. Nous connaissons comment tous ces ministres là, je dis bien les femmes là, ont obtenu leur poste. Ça ne m'intéresse pas. C'est ton cas personnellement parce que tu fais partie des personnes aujourd'hui qui ont mis cette transition à genoux. Tu fais partie des personnes qui ont envoyé l'ethnocentrisme dans l'affaire de transition là. Tu fais partie des personnes aujourd'hui qui ont mis à genoux cette transition. Tu fais partie des personnes aujourd'hui qui veulent la manichéanisation du pouvoir, la manichéanisation de la Guinée. Oui, je ne parle pas de Mandé. Tu fais partie de ces personnes. Et ce que les gens n'osent pas dire, moi je vais le dire publiquement. Vous avez ces messieurs qu'on appelle Dansa Kuruma. Dansa Kuruma a eu un problème avec Tanti Sissé. Je me limite là. Tanti Sissé. C'est une dame très connue. Vous comprenez? Vous connaissez Hadja Nkumba Sissé? Allez-y au ministère des Mines. Elle travaille au ministère des Mines. Sa fille Mbalu Kondé, qui est actuellement là aux États-Unis, ici, là, enceinte de Dansa Kuruma. Partagez la vidéo. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous allez comprendre. Où va votre argent? Je ne dis pas moi mon argent. Où va votre argent? Vous allez comprendre que vous, les militaires, vous êtes les vrais perdants dans cette situation-là. Une situation de Calaisson où des milliards sont donnés, ou bien des millions sont donnés gratuitement. Un problème de Calaisson. Vous savez, je vais défendre ce point-là, je vais insister sur, parce que vous avez dit, je me rappelle, au début de la transition, que nous, nos ministres au temps d'Alpha Condé ne faisaient que suivre les filles. C'est vous qui l'avez dit, hein. Mais malheureusement, au temps d'Alpha Condé, les ministres-là n'ont pas enceinté les enfants des gens par-ci, par-là, hein. Au maquet, nous savons très bien, moi je l'ai dit, oui, d'autres ont envoyé des filles en Turquie. Oui, ils étaient dans les hôtels, l'argent du contraire, nous au fond, la vidéo existe. Mais, je dis, je le répète,
Ce monsieur que vous voyez comme ça, que s'appelle Dansa, qu'on appelle Dansa, Dansa Kuruma, le président du CNT, a fait venir la fille de Sekou Pimpon. Vous connaissez Sekou Pimpon? Vous avez entendu parler de sa fille? Allez-y voir. La fille de Sekou Pimpon, qui s'appelle Mbalu Kondé, elle est connue. Hein? D'abord, qui a été envoyée au CNT, qui était simple conseillère. Ouais, une très belle femme, oui. Je me réserve de montrer sa photo dans mon téléphone. J'ai sa photo ici, qui malheureusement est tombée enceinte de ce monsieur qu'on appelle Dansa. Salut Zéline Silla, comment vas-tu? C'est un truc honteux. Parce que c'est eux rapidement qui accusent. Il n'y a pas ce que les gens là n'ont pas dit, ce non-ministre, le ministre d'Alpha Condé, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Lui-même dans ça. Mais il est le Moldena Koussioudi. Il est le. La fille Lambalou Bekalon. Sa maman était étonnée. D'abord le rapprochement. L'envoyer comme conseiller. Il a bureau là rapidement. Pan. Kono Braboro. Je vais très bien. Kono Braboro. Et pour cacher ça, pour ne pas qu'Akuma est bon, qu'est-ce que tu as fait? Tu as voyagé ici avec elle. Elle est aux États-Unis ici. Akuma m'a sur le moufet. C'est lorsque j'ai parlé de ton voyage aux États-Unis ici là. Et je te promets, né de Kafouyana, n'a ma quête, c'est qu'elle n'a ma quête ici, je te promets scandale au tournoi interstate. N'a ma quête, n'a ma si c'est un dit. Au tournoi interstate de Maryland, ici là, Washington, ici là, je te promets le scandale. Ibanae, je te dis, je vais tirer la photo de la fille, qu'a tiré, qu'a paginé comme ça. Si je ne montre pas ça, je sais que n'est-ce que là vous nous dites. Il y aura un scandale ici au tournoi interstate. Il faut t'embarquer pour venir. Parce que tu ne viens pas pour le tournoi. Et voilà, qu'on a la Moldena. Tu as eu la chance de venir avec elle ici. Avec un passeport diplomatique, elle est là, elle est venue pour accoucher. Mbarasoma, ce n'est pas mon problème. Mais c'est toi qui disais que c'est nous qui avons mis ce pays la patate, enceinte les filles. Mais personne n'a entendu qu'un ministre d'Alpha Condé a enceinté tel. Moi, je connais Mbalu Kondé. Mbalu Kondé, la fille de Sekou Pimpon. C'est une très belle femme. C'est ça même, merci, oh, voilà pourquoi je l'aime. Voilà. DMD, Dialomé, aussi cool, il gonga, aussi cool. Zéline, tu as parfaitement. Toi, à ton âge là, moi je mets d'abord, voilà, moi je mets d'abord, je dis bien, je mets d'abord comme ça, ton âge. C'est-à-dire, je mets ton âge, je mets l'âge de Mbalu. Quand nous voyons votre âge d'abord, il y a plus de 15 ans. Plus de 15 ans entre vous, 15 ans. Dénigny Maniba, elle est très belle. Demso Maniba. Demso Moldin. Scandale, Nekaolema. Comme les autres là n'osent pas dire, d'abord, tu étais un petit à moi à l'université, d'abord, tu étais un enfant. Mais Moldin, quand on a la Moldina gratuitement, et sa maman, combien t'as donné à sa maman? Combien t'as donné à sa maman? Pour calmer. Ce coup pimpon là, tu l'as donné combien? Mais ne le café. Et alors, ni vidéo qui est là. Ne le café là. Scandale dit que Marilandiano, Dunia Bedibo. Dunia Bedibo. Moi, j'ai ma carte d'invitation. Ça est là. J'ai ma carte d'invitation. Tout. Tu sais très bien quand j'ai arrivé à la rentrée de Maryland là. Excusez-moi. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Une minute, s'il vous plaît. Juste une minute. Non, tu sais, quand je vais me comporter là-bas, voilà. Comment ça? Quand je vais me comporter, les gens m'ont dit que si c'est en fait de trop, c'est que bénis-toi. Parce que les gens, je le dis plus parce que les gens vont commencer à me reprocher. Ils n'avaient pas besoin de créer ce scandale-là. Ils ne devaient pas faire ceci, ils ne devaient pas faire cela. Non, faut nous le publiquement béalon. Ceux qui organisent le tournoi interstate là, à Québec, on est le café. Vous qui organisez ce tournoi là, Maryland, Washington, DC, je vous le jure,
moi, Benito, je vais là-bas pour créer le scandale. Si Dansa est présent, je vais vous faire regretter sa présence. Les parents de la fille ont accepté. J'allais même oublier, je m'excuse. La fille, au-delà qu'elle soit américaine, parce qu'elle est née à Maryland. Elle est née à Maryland. Merci beaucoup, Bintoukole. Elle est née à Maryland. Elle est née là-bas, elle est américaine, je sais. Mais tu dois donner un passeport diplomatique au Fana à part. Oui, tout ça là. Une jolie fille, mineure, d'une fille, d'une poutou. Kawa kono là-haut là. Il date le tchou-tchou-tchou parce que moi je sais, tu sais pourquoi je le dis, je connais tous tes petits communicants qui attaquaient les ministres de Porcel Fakone. Mais allez-y vérifier partout pour nous dire voilà, un ministre d'Alpha Condé a enceinté. Mais vous êtes au nombre de combien? Au nombre de quatre aujourd'hui qui est pris main dans le sac. Amara avec Prissimo, ministre de plan au départ, elle était obligée de faire le mariage anticipé, hein, car mariage de la Kalia. Et puis c'est Charles White, ministre de la Justice, hein, ministre de la Justice. Voilà, ça lui me dit qu'elle a, ouais, elle a connecté qui. Merci beaucoup. Elle a connecté qui. Elle a connecté qui ici. Connecté qui ça. Connecté qui de Philadelphie, c'est 470 km comme ça. Tu comprends? Mais n'est le cafoué dans ça. Ça dit, j'ai eu l'occasion de te prendre. C'est que nous sommes nés. Je suis trop content même. Parce qu'elle est née. Moi, je suis chez moi, hein. Je suis chez moi. À ma tête d'adoption, là, je suis chez moi. Ici, là, c'est mon pays. À ma tête d'adoption. Toi, tu n'es pas, t'es pas ton pays. On peut me dire que je me suis, j'ai attaqué, quelqu'un qui a le, quelqu'un qui a les papiers diplomatiques. Mais avant, d'abord, je te dis, Maryland, c'est pas mon state. Voilà. J'appartiens au state de Pennsylvanie. C'est pas mon state. Mais le terrain, là, où vous allez faire le tournoi interstate, là, il m'y présentait, attends-toi. Que tu n'auras même pas fait, tu ne feras même pas 10 secondes là-bas. Là. Je vais montrer la photo de la fille. Elle peut porter plainte contre moi. Mais elle est enceinte, elle est en état de famille. À Konobra, elle est là. Actuellement, là, elle est là dans le 6-7e mois. Ouais. Mais ça là, Nda, il a la photo, il a. Votre voyage, je vais tirer la photo. Elle a voyagé dans l'avion parce que tu as voyagé avec elle pour venir aux États-Unis ici là. Il a prévu. Tu n'étais pas venu rencontrer un diplomate. Tu étais venu l'installer. Kabontaye. Kabefko Bekai, c'est là-bas, hein? C'est notre argent qui est pompé là-bas, Naori. C'est l'argent qui pompe. On pompe l'argent là-bas comme Finquet, la Guinée-Oudi, l'argent du contribuable. Les fonctionnaires ne sont pas payés à temps. Aujourd'hui, regardez l'école qu'on a filmée entre Mamou et Dabola, que les grands gueules ont filmé. Les écoles n'ont pas de toit. Aujourd'hui, là, les programmes ne sont pas finis. Regardez, les enseignants contractés ne sont pas payés. Mais vous êtes capables de transférer 30 000, 40 000, 50 000 dollars pour des petites filles de 20, 25 ans, 30 ans. Est-ce que vous comprenez? Oh, moi je ne sais pas, Baka Fofana, pourquoi tu es sur ma page. Et quand on dénoue Bali, à Bala, voilà, il faut, voilà, des trucs comme ça, vraiment, il faut quitter ma page. Moi j'ai du respect pour les gens. Voilà, mais Baka dénoue Bali dit, vraiment, t'as fait, moi je n'ai pas affaire à des enfants mal éduqués. Voilà, excusez-moi. Donc, chers abonnés, excusez-moi très fort. Excusez-moi très fort, je le dis, hein. J'ai du respect pour mes abonnés. J'ai beaucoup de respect pour vous. Donc, moi aussi, quand je suis là, me reprocher là, parce que quand je vais aller là-bas, là, scandale baké, et quand moi, c'est ma dignité, ils vont dire, Benito, tu nous as dessus. Benito, tu ne devrais pas faire ça. Benito, c'est ci. Benito, c'est là. Donc, voilà l'objectif de ma vidéo, là. Namadia, qui t'a demandé ça. Ne le kafo, wallah bilatala. Voilà l'objectif de ma vidéo. Nablané sur la place publique. Je n'interviens pas pour la famille parce que la famille a déjà pris de l'argent. Oui. L'argent, la famille a déjà pris. Sa maman est là-bas, au ministère des Mines. Allez-y, sa maman est là-bas. Bekanalon, si c'est les Bekanalon. Elle était, on l'a envoyé du. Vous savez, la diaspora là. Doumbouya est très haut les fois là. Beaucoup ne sont pas rentrés, c'est-à-dire beaucoup sont rentrés du moins, pas pour travailler, c'est pour ramasser de l'argent parce que c'est une période de transition. Et dès qu'ils savent que la transition est inclinée, qui est Bolikana? Asiamamba ou Wali Olema.
Vous comprenez? Donc, Nimblara mon maintenant, au lit de femme. Voilà. Vraiment, si, nan arake, parce que Neni dans ça, c'est l'occasion pour moi, à jamais. Vous savez, quand il était venu ici, là, il s'est caché. Il s'est caché, il a fait, les ambassadeurs ont tout fait pour ne pas qu'on le voit, tous ceux qui travaillent à l'ambassade. Est-ce que vous comprenez? Comme donc, dans ça, là, lui et moi, là, on était dans le même département à Gamal au départ. Même département à Gamal, là. Mais ils étaient derrière nous. Nous ne sommes pas de la même promotion. Merci beaucoup, Akase Mandela. Il faut lui dire ça. Donc, ils étaient derrière nous. Ben Carlo, je vous ai déjà dit ça dans un direct. Lui, là, c'est un Nesco. Vous savez qu'on appelle dans les universités les fumistes, là. Vous demandez à tous les étudiants, quand on vous dit que les murs parlent, là, dans les universités, on dit les murs parlent. On dit, faites attention, les murs parlent. Les murs parlent là. C'est eux qu'on appelle les murs parlent à l'université. Les murs parlent là. C'est-à-dire, dès que tu causes avec les gens, si vous entamez une action, quelque chose qui peut, provoquer des manifestations ou toucher, comment on appelle ça? Toucher, comment on appelle ça? Toucher les, comment je peux dire ça? Alors, qui peut toucher le rectorat, c'est fini. Les nafigis des universités, c'est eux qu'on appelle les murs-parles. Demandez à tous les étudiants. C'est nous qui, peut-être ceux qui se rappellent. Ceux qui se rappellent très bien. Lorsqu'il y a eu la manifestation à Farana, où nous avons intervenu sur BBC, demandez à tout le monde. On a acheté les cartes de recharge, on chargeait. C'était en 2002, je crois bien. Nos amis ont été licenciés après. Ceux qu'on appelait les murs par là, c'est eux qui nous ont vendus. Beaucoup, les paix à son âme, il y a un ami, un frère de Alpha Bastissé, il est de Koya, il a été licencié gratuitement. Quand même quelqu'un a vu son nom, moi j'étais à Conakry, parce qu'après la manifestation, ils nous ont pris, ils ont envoyé beaucoup de personnes au camp. Donc, immédiatement, nous sommes. Moi, je suis venu à Conakry. Quand quelqu'un. Qui avait vu mon nom, a vu le nom Cissé, là, les gens ont dit attention. Cissé, il y a un Cissé, mais c'était Alpha Bar Cissé. Il est décédé, malheureusement, il est décédé. Il y avait le Keita, le métis, sa maman est russe, son père est guinéen. Tout ça, là. Partagez, mettez les cœurs. Donc, je le dis et je le répète. Ne soyez pas dessus quand vous me verrez en action contre dans ça à Maryland ou à Washington DC. J'ai la carte, tout est là. Voilà. Tout est là, hein. Tout est là. Je suis invité légalement. Dieu merci, je n'ai pas le problème de dormir à Maryland ou à Washington. Voilà, j'ai mes parents là-bas, j'ai mes soeurs là-bas. Mais Inch'Allah, cette fois-ci-là, je vais me prendre un hôtel, on règle ça. Il est fallu banaï. Ibanaï, je dis. Ibane, merci beaucoup, Sabari. Ibane, Wallen, c'est une promesse. Mbrada, interview la guerre là. Mbrada, promesse-le. Ibane, Maryland, tu viens pour le tournoi là. Nele Kafri là. Ibane, pour le tournoi là. Wallen, Bilal, Dunia Bedi le nez. Dunia Bedaï, je te dis. Mbrada, promesse ta. Donc, tous les abonnés, mes abonnés là, ne soyez pas dessus. Je vais m'attaquer à cette personne. Moi, je suis chez moi. Hein. Aux États-Unis, je suis chez moi. Voilà. Ah, voilà. Salut, j'ai compris. Ici, là, moi, je suis chez moi aussi. Tu comprends? C'est toi qui viens ici. Il est là. Voilà. Il est nettoyant. Voilà. Et ce que moi, je vais détenir, même Nambro Lakaïra Molaté, c'est la photo d'une fille enceinte. Je ne montrerai pas une fille. Je ne montrerai pas la photo où il n'est pas enceinte. La photo que j'ai là, c'est là où elle est enceinte. Elle n'est pas mariée. Aujourd'hui, là, combien tu transfères par mois? Entretien, maison, tu as combien de salaire? Et tu as combien comme salaire par mois? Donc, où tu sors l'argent là? C'est l'argent du contribuable guinéen. Aujourd'hui, les militaires ne sont pas payés. Les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Les écoles ne sont pas coiffées. Rien. Les gens ne sont pas bien payés. Toi, tu peux transférer 2 000, 5 000, 6 000 dollars
Oui, sa maman est entretenue. Son papa, on en... Bon, je ne rentre pas dans ça, c'est le problème. Mais je le dis et je le répète. Tous ceux qui ont mis ce pays à genoux, pour que tous les Guinéens retiennent une seule chose. Pour ne pas qu'on vienne dire un jour, quand Kassori sera président, on dit c'est une chasse aux sorcières. Ou Seluda Ndiallo devient président, on dit c'est une chasse aux sorcières. Ou bien si il devient président, on dit c'est une chasse aux sorcières. Donc, bella dossier d'Ato le Kenema. Maintenant, même Bamina, Mosite Kumala. Personne ne va parler au Mosite Kumala. Donc, Mbala Daye, portez-vous très bien. Voilà, portez-vous très bien. Et aujourd'hui, je dis et je le répète. Je répète à la maman de Mbalo Kondé, Madame Sekou Pimpon. Tu as vu la vie là, madame. Et bien, Douniaye, Ninko Sou, même pas les démosomas seront. Et démosomas foudou, oui, car on a un peu de Et tu es comme un talalé, car on a un peu. Mais comme tu as laissé à cause du CNRG, ou bien post-soco, parce qu'au ministère des Mines aujourd'hui, il y a le ministère des Mines qui est commercial aujourd'hui. Nous avons vu le passage de Magasuba devant Dansa. Magasuba devant Dansa, on sait ce qui s'est passé. Tout le monde sait. Tout le monde sait que Magasuba a raté son intervention devant le CNT. Mais Demousso Obrakonota, on n'est pas le ministère des Mines. Il y a cet arrangement-là. Tu sais très bien comment ça s'est passé. Ibrahim, mais Karanina, portez-vous très bien. Anawama. Que Dieu vous porte. Ibrakonola Moltina. Ibrakonola Itina. Mbalo Brakonota. Ikalon très bien. Konote talon kilo. Bien sûr, une seule fois la Konol s'est là. Ils étaient ensemble. On t'a mis au courant. Nikono Braboro. Dansa est marié, légalement. Dansa est marié. Dansa au marié né. Il est au calon que Dansa n'a pas un avenir. Tout le monde sait que Dansa est impliqué dans beaucoup de détournements dans ce pays-là. Donc, je le dis, je le répète. Moya Folali, quoi qu'il y ait un temps, à 5 ans. Donc, Dansa, nous avons déjà des dossiers. Pas, ça là, ça m'intéresse. Ça là, merci beaucoup, mon beau. Ça là, ça m'intéresse. Mbala Fonko, le truc de Kalesoro, ça n'intéresse pas. Mbala Fonko, hein? Truc de Kalesor. J'ai tellement d'informations concernant le truc de Kalesor là, ici. Là. Ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que, comment vas-tu, ma chérie? Comment vas-tu, qu'est-ce que? Ça ne m'intéresse pas, hein, le truc de Kalesor là. Mais, à quoi que Niaminka, comment ça s'est passé? Nous sommes les perdants. En de le perdre. Quand dans ça, il vient avec la fille, ici, là, c'est plus de 50 000 dollars. 50 000 dollars là, ça, c'est l'argent qui peut entretenir plus de 20 groupements féminins. Avec des engrais. Avec des fonds, 50 000 dollars, c'est plus de 400 millions de francs guinéens. Il a ta, tu peux entretenir les groupements féminins là. Il dit, Mosso l'encadré, les gens, c'est ça là, on donne à cause d'un caleçon, Abraban. Il est marié, hein? Il est légitimement marié. Sans prendre aux enfants des gens, il démoussonne. Regarde ta fille, regarde dans ça, regarde la différence d'âge. On m'a fout ce que vous avez fait cet arrangement là. Au détriment de l'argent du contribuable guinéen. Vous, les forces de défense sécuritaire, regardez que j'ai mis là-bas vos noms. Je vous ai dit, vous êtes fâchés parce que je dis que vous êtes des faibles. Alors, tous les jours, dans tous les directs, je démontrerai par A plus B votre faiblesse. Voilà. Tous les jours, je montrerai vos faiblesses, vous, les militaires guinéens, là, tous les jours. Parce que c'est vous qui êtes en train de nous mettre dans les problèmes. Vous avez vu Doumbia, hein? Doumbia, là, son kikinette, là, ne fonctionne plus. Mais je viens de faire une prière pour que Dieu l'aide et récupère. Voilà. Au coup, ma volée les bicotés, mais ça ne m'intéresse pas. Si ce n'est pas sous l'ambassade qui a phobie, vous voyez qu'il n'y a pas la tête. Donc, portez-vous très bien. Moi, Cameroun Koroba est oublié, parce que le président du CNT, à le connaître la molle de la clé, comme ça là. Ni ta brabo bella, bebra là, il va tout mouffoler là. Ni connaître la idée, il est de l'autre qui m'a comme il doit se casser ni connaître. Demso, il sera un américain. Car Bouya, Demso, il m'a réagi parce qu'il est président du CNT. Il n'est pas légitime, il n'a pas été élu. Aujourd'hui, là-bas, il a l'homme, il a cassé. Dans sa bamina lumine, il ne faut pas te promener qu'avant mon beau, parce que ce n'est pas ton beau. Je le dis, s'il y a un mariage là, c'est illégitime. Voilà, quand on touche un enfant, on enseigne quelqu'un, on ne l'épouse plus. Ça, c'est dans toutes les traditions. Ce n'est pas un problème de peur, ce n'est pas un problème de soussou, ce n'est pas un problème maliqué. Il va prendre la molle, il te fout là encore. Parce que l'enfant, bien sûr, l'enfant sera américain. Ça, c'est assuré. L'enfant sera américain. Mais. Voilà, merci beaucoup, Amara Kamara. Lui, il a tout dit. Merci beaucoup. Donc, portez-vous très bien. Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, bientôt, tu ne devais pas faire ça, non?
Il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire, Benito, ne fais pas ça. Ce qui va se passer à Maryland, là, vous allez retenir ça. Si dans sa mère pied à Maryland, vous allez voir tout. Dunia Bedaye, Nala Sona. Portez-vous bien. Nta Maguiné, ma femme avancé, Soso Lambassé, bonsoir. Portez-vous bien. Voilà, parce que ne malon, malobalia soumette, il était sur la cobla, finkero. Aya faut payer, mais non. Sinon, l'affaire là, tu allais pousser loin l'affaire là. Dans ça, ne peut pas enceinter ta fille. Vous faites l'arrangement là. L'enfant là, c'est un Américain. Avec un arrangement, parce que vous savez très bien qu'un Américain n'est pas dit. C'est un Américain, bien sûr. Dunia Deride ou Yaboulou. Dans ça, au Mariani. Devait dire à toi, l'épouse de Dansa Kuruma. Ce n'est pas la seule fille, hein. Mais c'est pour la fille là qui est dehors. Dans ça, Aïmol Dunka, par-ci, par-là. Voilà. Je vais porter vous très bien sur l'ambassade, comme va ma chérie. Bonne nuit à tout le monde. On se reprend demain, Inch'Allah. Donc, il va connaître la Moltenanda faux. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un nous dise demain là qu'on sait lui devenir président, que c'est lui en train de prendre les malinqués. Parce que, voilà, Daro, quand il est devenu président, les sous sont en train d'arrêter les malinqués. S'il est devenu président, s'il est en train d'arrêter les malinqués. Parce que, voilà, Kato, Adobe, Bisson, les vrais voleurs aujourd'hui là. C'est nous les mandingues là. Nous sommes les numéro un. C'est nous qui, aujourd'hui là, tous ceux qui sont autour de nous, montrez-moi un, qui n'est pas, 99% sont des mandingues. Donc, Londo, quand Kassori va commencer à prendre les jambes, et pourtant, c'est vous qui avez dit qu'il y a détournement, hein, que vous qui avez créé la CRIEF, c'est vous qui parlez de la CRIEF. Donc, que personne ne vienne nous dire, que personne ne vienne nous dire, non, les soucis sont en train d'arrêter les malinqués, que les pères sont en train d'arrêter les malinqués. Parce que c'est le peuple, voilà. Ouais, merci beaucoup, Amara Touré. Ouais, Sankara Moba, merci beaucoup. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Voilà, Ante Motala. Voilà. En tout cas, que ça soit très clair pour tout le monde. Voilà, je vais insister dessus, hein, j'insisterai. Et permettez-moi d'insister, parce qu'un jour, là, ce sera l'argument de beaucoup de personnes, l'argument des faibles, l'argument des parents des voleurs, l'argument des copines des voleurs, l'argument des associés des voleurs, qu'on a les malinqués, les soussous ont arrêté les malinqués, les peuples sont en train d'arrêter les malinqués, les soussous sont en train d'arrêter les malinqués. Parce que tout le monde sait que le prochain président, après le prochain Fakonde, soit il est peuple, ou bien il est malinqué, il est soussous, ou bien il est comment on veut ça, voilà. Il est sous. En tout cas, le prochain président après le prochain Fakon ne sera pas un malinqué. Voilà, vous qui rêvez là, vous devez arranger un peu votre tête. Les malinqués là, vous.